Antoine Béal, je représente l'agence d'architecture Béal et Blancard. Le parti pris architectural, il est lié à un grand projet d'urbanisme. D'abord, si on le prend dans ses grandes dimensions, il y a trois parties dans cet ouvrage. Une partie atelier qui peut recevoir donc des artisans. Une partie d'exposition qui peut recevoir donc des symposiums, des fêtes quelconques, des congrès. Et une partie travail où là, il va y avoir une partie donc de société qui loue donc des locaux qui sont fermés. Et ensuite d'autres personnes qui viennent de manière individuelle en espace de coworking, donc dans les lieux ouverts comme celui que vous voyez ici derrière moi. Le concept architectural, il est de tenter de lier de grands espaces qui sont les fondements architecturaux de ce lieu et en même temps pouvoir favoriser également une certaine forme d'intimité de travail. L'idée qu'on a eue, c'était de faire un pendant extrêmement simple entre une architecture où on valorise le béton et nous, on va introduire des valeurs bois sous toutes ses formes. Dans ce lieu où il se passait énormément de choses, il nous fallait un élément qui rassemble tout. Donc très rapidement, le bois s'est imposé. C'est-à-dire que l'on est véritablement non pas dans un principe de décor, mais dans un principe de construction. Et cette construction est visible. L'approche environnementale, c'est à la fois très forte isolation donc des murs, laine de bois, des châssis extrêmement performants, et également en toiture. Donc ça, c'est le plus important. C'est une réussite, je dirais, surtout dans le sens où les nouveaux habitants de cet espace s'y sentent bien et ont envie d'y travailler et d'y rencontrer les autres, bien sûr.